poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. On est de retour pour plus de Darkest Dungeon. Alors je dois avouer qu'il y a eu un petit moment pour moi entre le dernier épisode et maintenant. Mais j'ai fait un run juste avant, en champion moyen, pour me remettre dans le bain. Donc on a eu la réduction pour l'habit. Donc j'ai mis ça. J'ai mis un vampire et un non-vampire. Donc on a contagion faible. On verra un peu ce qui se passe. En tout cas, on a deux invitations. J'ai déjà préparé un groupe parce que j'ai regardé ce que j'avais dit la dernière fois. On voulait tester donc deux antiquaires. Alors, ça va possiblement mal se finir parce qu'on n'a pas vraiment de soins, rien. Mais dans un sens, c'est juste ce... Oh, honnêtement, non, c'est vraiment une connerie ce que je suis en train de faire. On va se balader, on n'a pas de soins. On est basé sur l'esquive, évidemment. Ouais, plus j'y pense et plus je me dis que c'est vraiment une connerie ce que je vais faire. Bon bref, on a des AOE en infection et on a une AOE en saignement. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Et on a deux antiquaires pour faire de l'esquive. Voilà. On verra ce qui se passe. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça se passera mal, puis voilà. On sortira, et puis voilà, c'est tout. Alors, on va prendre ça. Ouais, on va en prendre deux. De toute façon, on a un peu d'argent de côté, donc c'est pas trop grave. Ouais. Pourquoi pas? Je pense que c'est pas mal. On a tout là. Hein. On a la clé. Les clés, on va vraiment pas en avoir besoin, je pense. Ouais. Allez, c'est parti. Pour le lancier, là, le brise-bouclier, j'ai mis beaucoup d'infections. Donc il y a au moins plus 50%, je crois, d'infections. Donc ça devrait bien se passer. On avait un objet qui était juste pour les boucliers. Mais en fait, ça faisait malus et infection 40%. C'était pas très très intéressant. Donc du coup, j'ai pris la louche de la sorcière parce que ça fait 30%. Donc on est toujours bon, on change d'infection. Mais on a résistance 40% d'infection. Bon, et maladie aussi. Mais bon, maladie ici, on s'en fout un peu. Alors, nous on s'était arrêté là. Ah oui, mais on avait vraiment pas fait grand chose en fait dans la comtesse. Oh, ok, d'accord. Ok. Je pensais qu'on avait fait beaucoup plus en fait. Non, non. Ah oui, c'est parce que j'avais fait des runs en fait. Genre sans lumière, sans rien. Je crois que c'était surtout ça. Très bien. Très très bien. Ok, ça c'est le... Non, c'est pas le stress. On va voir un peu. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Donc strictement rien, c'est sympa. On a un cul-de-sac, c'est bien. En théorie, si on arrive à bien esquiver, ça devrait pas être une catastrophe, hein, les combats. On a des AOE, on laisse passer les tours, les machins crèvent petit à petit. Enfin voilà quoi, c'est... Ça devrait pas être trop trop grave. Hein. Oui, ok. Donc toi, t'as soif. Ça devrait pas être très grave. Alors, repérage. Dis-moi que c'est un bon repérage. Oui, c'est un bon repérage. Alors, on peut aller là-bas. Ça, c'est le stress. Hein. Ouais. Très
Très bien. Je voudrais bien avoir un petit combat, genre pas un truc vénère, hein. Non, toi tu peux aller te faire voir. Pas un truc vénère, genre un petit combat, voir un peu ce que ça donne, en fait. Oh, oh là là. Ouais, c'est un peu chaud là quand même, mais bon, on va voir. Alors, fais voir. 12% de crit, c'est pas mal. Alors, pitié que ça passe bien. Ok, déjà c'est mauvais signe. C'est bien. Precision and power. Aïe. Ok. Aïe aïe aïe. Ah non. Ouais. Ouais, c'est pas le fun non plus. Ça c'est pas grave, nous on a des AOE. Très bien. On pourrait... Oui, on peut bouger, oui. Comme ça, lui sera de... Elle, pardon, elle sera devant, elle pourra encore refaire son AOE. Et en théorie, tout le monde meurt. Faut juste que... Faudrait qu'elle ait plus de vitesse, en fait. Elle a zéro vitesse en plus. Donc ça, c'est un problème. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour la distance, elle a crit plus 5%. Ça, c'est cool. Très bien. Voilà, on est bon, on est bon. Aïe. Ok, on va soigner un peu. Évidemment, lui, il peut pas soigner maintenant. Fait chier. Their formation is broken. Maintain the offensive. Inspiration and improvement. Bien. This slow death, unforeseen. Ok, pas mal. Unforgiving. Pas mal, pas mal. Ça c'est quoi? Ah, une clé. Ok, ça, une clé jaune. Ça marche. De toute façon, on n'est pas là pour faire vraiment beaucoup d'argent. Hein. C'est juste que c'est marrant de jouer. Honnêtement, ça rend tellement le jeu plus facile de jouer avec de l'esquive. Une fois que vous avez des bonnes babioles. Ça, c'est de l'argent. Très bien. Mince, elle a pas été scannée. Voilà, ya, ça va faire mal. Les deux là, elles ont des passifs, enfin des attributs là, où au premier tour elles ont toujours vitesse en plus, donc ça c'est une bonne chose. Donc en théorie elles devraient pouvoir passer en premier quasiment tout le temps, donc ça c'est très très bien. J'ai envie de tuer le moustique en fait.
T'es sérieux? Ah bah bravo, je déteste ce jeu. Ah, il m'avait pas manqué, hein. Bon, ça va. On a une esquive. Ah bah tiens, en plus. Lui, s'il touche, il va faire super mal, donc c'est un peu un problème. Très bien. Et voilà. Évidemment. Évidemment, x2. Incroyable. Normalement, on peut le tuer, la 16. La lancière devrait pouvoir le tuer, non? Voilà. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. On va prendre ça. C'est pas fameux, c'est bien. Très bien. Ceux-là aussi font très mal. C'est quand même mieux avec un homme d'armes, j'avoue. Au moins l'homme d'armes peut tanker en fait. Peut diriger les dégâts sur lui, parce que là c'est vrai que... En fait je pensais que taper un peu partout ça irait, mais... En fait ils esquivent pas plus que ça, quoi. Mouais. En fait, on n'a pas vraiment de moyen de se soigner facilement. Là on est à quoi, 40? Ouais, 40, on peut commencer un peu à se soigner. Le soin est très très bas. Je sais pas pourquoi des fois c'est une cible, des fois deux. Pourtant c'est la même attaque, on est d'accord. Bien.
En bas, ça a l'air d'être intéressant. Ouh, c'est 1000 ça. Ça, c'est intéressant ça. Enfin, 1000. Dans un sens, c'est pas vraiment très très intéressant. C'est pas. M'étonnerait qu'on en trouve un deuxième en fait. Bah. Ça aussi, c'est de l'argent. Packs with loot are often low on supplies. Putain, je déteste ce jeu. Incroyable. Incroyable. On va passer par là. On va faire deux combats et je... On va voir comment ça se passe et on va peut-être sortir en fait. Parce que je suis pas extrêmement confident avec ce groupe. Peut-être un peu trop dangereux. Qu'est-ce qu'il est rapide lui, qu'est-ce que c'est chiant. Oh. Soigner un peu. Ah, après le coup des AOE, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup le chien, moi. Maintenant, je suis partisan du maître chien. Hein. Ça va. La soif. Ouais, on va soigner encore un peu. Tout le monde en fait a besoin de soins, ça le problème. The bigger the beast, the greater the glory. A trifling victory, but a victory nonetheless. On va faire comme ça, même si c'est un peu bête, mais on va pas rester longtemps en fait. Par contre, la personne qu'on risque de reprendre, c'est le maître chien, je pense. Si on fait un deuxième run direct. Le maître chien, le maître en 4. Peut-être... homme d'armes,
avec Vestal. Et après, je sais pas quoi mettre en deuxième. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment mettre la perce bouclière parce que elle danse trop en fait. Press this advantage. Give them no quarter. Aïe, ça va. Ah, au final, allez, le groupe est pas mauvais, hein. J'ai envie de dire. C'est juste que bah, si on a de mauvaise chance, faut bien être sûr de toujours faire deux tours avec deux fois l'esquive. Et après ça passe. Qu'est-ce qui peut faire une AOE facile aussi? L'abomination est pas mal pour l'infection. Ou alors on prend un flagellant, comme d'hab. Flagellant qui sauve un peu l'équipe tout le temps. Bon, par contre, tu commences à me gaver. Qu'est-ce qu'on fait? On sort bien vite ou pas? Ouais, ça vaut le coup de sortir vite. De toute façon, là, on a récupéré assez d'argent pour faire compter le run. Après, on n'a plus de nourriture, par contre, donc ça, c'est un problème. Mais là, on a assez d'argent pour faire compter le run. Ça va. On est en positif. On est facilement en positif, donc il n'y a pas de problème. C'est pas comme si on avait perdu de l'argent. Très bien. Pourquoi pas continuer? Si jamais ils ont faim, on se casse juste après. Mais tant qu'ils ont pas faim, ça va. Ça c'est... Oui, on a plus de torches. C'est pas grave. On va utiliser les biscuits pour chiens. Ouais, non, au final, ça va. Ça va, l'équipe. Elle est pas parfaite, mais ça va. Je pense qu'elle serait plus efficace. Enfin, ça serait moins dangereux dans un run normal, en fait. Où on peut, genre, dormir. Aïe, aïe, aïe. Évidemment...
Faudrait pas que les trois nous touchent là, parce qu'ils jouent. Aïe aïe aïe. Ils jouent très vite en fait, ces cons. Et ils se soignent. Ah là là, non mais sans déconner quoi. L'esquive qui fonctionne plus, ça y est. On est à 40. Hein. 3 coups, 3... Putain. Incroyable. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Non mais sans déconner. Ah, et les autres ils vont jouer en premier, putain. Ça rend fou quoi. Alors attends, 6, 8. Impressive. Très bien. A decisive pummeling. Ok, bien, 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 bien. Normalement, oui, il va jouer en dernier, ça va. Ah, c'est pas... As victories mount, so too will resistance. Ok, plus 5 cul de sac. Bon bah, on sort. C'était pas... Ah, c'était un test. C'était un test. There can be no glory in its accomplishment. J'avoue que faire des petits runs comme ça, où on fait quelques salles, quelques combats... Bah, c'est pas mal, hein. Genre, on a eu 20 000. 28 objets. Non, c'est vraiment pas mal, hein, en fait. Oh, elle a sur ses gardes. Puis, il n'y a personne qui est en stress. Hein. Il n'y a personne qui est en stress. Hein. Tout va bien. Donc, non, c'est pas si mal. Our estate was the envy of this land. Woodville ressent force et puissance, dégâts 20% après avoir mis à cher à l'épreuve. Eh ben. Alors, par contre, il y en a une qui a eu un truc, c'est super bien. Elle a eu sur ses gardes. Donc, elle a l'art de dégainer et elle a sur ses gardes maintenant. Donc, du coup, on va lui. On va lui prendre sur ses gardes. Le mieux, peut-être qu'on enlèvera l'art de dégainer si jamais elle a quelque chose d'intéressant. Mais... Alors, on s'ouvre d'une torture morale. Exclusion. Chance accrue de perdre de l'argent au jeu, interdit de jeu en ville. Bon bah, c'est pas grave. La peur des horreurs, c'est pas vraiment grave. Mauvaise conscience, ça j'aime pas trop. Voilà. Toi, t'as rien eu de très très intéressant. Toi non plus. Ok. Ouais, l'autre objet c'était ça, c'était... Non, celui-là. Champ infligé malus et infection 40%. Malus, honnêtement, je vois pas ce que ça peut être les malus d'un brise-bouclier, c'est quoi?
Genre ça, chance de crit reçu 10%, vitesse moins 8. Y a que ça, hein. Ouais, enfin c'est pas... J'en sais rien en fait si c'est pas mal. Mêlée, recul. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, le problème c'est que le brise bouclé en fait est un gros DPS grâce à ça, vu que ça perce les armures. C'est que c'est un extrêmement bon DPS. Elle est bizarre la phrase que je viens de dire, mais je l'ai dite. Donc bon... On a un peu envie de spammer toujours la première attaque pour faire du gros dégât, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on va refaire un run. Le stress, on est bon. On va refaire un run. Je vais choisir une équipe. Ah, je crois que je peux débloquer un nouveau bâtiment, par contre. Ouais, ça. Pourquoi pas. Salle de spectacle. Bouffon. Stress moins 10%. Vide 2. Final dégâts 20. On va d'abord discuter 2 secondes sur l'équipe. Mais après, on va se lancer dedans. Gale, je l'avais remis à 9. Non, je fais une pause, je coupe, je vais réfléchir à une équipe. Je pense que Wissant va être dans l'équipe, car il est quand même vachement bien pour tout ce qui est AOE. Donc je pense qu'il va être dans l'équipe. Je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Donc, honnêtement, j'ai lutté, ça doit faire tellement longtemps que je... Je fais des runs avec double antiquaire, genre parce que ça rend la chose tellement facile. Donc j'ai fait ça. Ah, tiens, il faut que je change ça pour... ben, je sais pas. Ça. Marqué, ça fait protection moins 30%. Ouais. Donc on va jouer le 800 donc, en 4ème position. On a un Vesta, on a Furnival. Elle a rien de très spécial en fait, donc c'est pour ça que je la prends. Donc peut-être qu'elle va avoir un truc sympa. Parce que les autres ont des... toutes les Vestales que j'ai, elles ont des choses assez intéressantes. Mais elles non, donc j'essaye d'en avoir une. Compétences de soins, de l'esquive. Donc ça c'est les objets de la cour. On a pris Verdun, parce qu'il lui manque un truc. Enfin, un attribut. Précision, protection... bien sûr, le coup fatal et tout ça en plus, l'esquive à l'agonie et tout pour qu'il soit un peu plus résistant. Et après, je me suis dit pourquoi pas utiliser un bandit. Voilà, tout simplement, pourquoi pas utiliser un bandit. Surtout que celui-là, il est sympa. Donc on a le tir à bout portant, ça serait pour l'entrée. Et après, on mettra l'avancée de dueliste. Je pense qu'en théorie, on va spammer ça. Hein, je vais être honnête, on va sûrement spammer ça. Le reste, c'est pour... ouais, c'est juste pour être là, quoi. Et je lui ai mis précision. Alors, je voulais lui mettre de la précision. Je ne savais pas quoi mettre, parce qu'on a de la précision, en fait, pour les attaques physiques ou distance. Mais le problème, c'est que on va faire du D2. On va faire du mêlée et on va faire de la distance aussi. Donc, je me suis dit, on va mettre ça, précision 10. Honnêtement, c'est peut-être pas si bien que ça. Je sais pas en fait quoi mettre. Après, on a ça qui est intéressant, mais ça réduit le mêlée, ça augmente la distance. Donc, bof. Pas quoi que dans un sens, non, c'est pas mal. On a qu'à mettre ça, comme ça le tir à bout portant, il va faire très mal en théorie. Et je lui ai mis un peu d'esquive. Comme tout le monde, quoi. Ouais. C'est pas... Je sais pas. On va voir. Je pense que ça va être un run rapide. Ouais, je pense que ça va être vite réglé. Lui, je crois qu'il a soif. Hein. Il a soif. On va en prendre un bonus. 3...
Voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas, j'avais envie de tester un peu, honnêtement. Je sais plus quoi prendre. Encore une fois, je pense que les doubles antiquaires restent le mieux. C'est le moins chiant, en fait. C'est vraiment le moins chiant. C'est le plus bête à utiliser. Donc, ouais. Alors, toi. Hop. C'est vraiment le plus bête à utiliser. C'est même si, en plus la cour, même si la cour on reste pas longtemps, la plupart du temps on va avoir énormément d'argent avec deux antiquaires. Donc on va faire minimum du 20K. Même si ça se passe mal. Donc ouais, c'est ça le problème, c'est que ouais, double antiquaire, ça devient vraiment très très intéressant de spammer ça tout le temps. J'ai bien envie de refaire de l'antiquaire. De toute façon, après cette 85. De toute façon, après ce run-là, je vais sûrement refarmer du coup des invites. Mais ça va, je pense qu'on va faire que des runs antiquaires en fait. Tiens, on n'a pas de. Non, si, on a un stun avec. Super. Ah, 22 de dégâts, hein, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je lui ai mis un peu d'esquive, mais peut-être. Ouais, non, mais il n'y a pas vraiment de vrai tank, donc c'est pas si mal de l'esquive en fait. C'est vraiment pas si mal. Très bien. Continue the onslaught. Destroy them all. Confidence surges as the enemy crumbles. Bon. J'ai l'impression que l'équipe m'a entendu. A handsome reward for a task well performed. J'ai l'impression que l'équipe m'a entendu et ils se disent ah, on va lui montrer qu'on est bon. Bon, bah pourquoi pas. On n'a qu'un seul vampire. Je vais peut-être voir ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il y a pas, il y a une chance qu'il donne vraiment un truc bien ou pas? C'est un peu de la merde. Que du vert. Je sais pas. S'il y avait une chance qu'il donne un objet de la cour, honnêtement, je dirais pas non. Mais. Enfin, quoique. Après, je vais être honnête, ça a augmenté depuis. Parce que c'était souvent du gris. Maintenant, c'est quasiment que du vert, je crois. Donc, je pense que c'est par rapport aux différents boss qu'on doit combattre. Là, en théorie, on est sur la dernière, hein, je crois bien, hein, si je dis pas de bêtises. La vicomte là, c'est la dernière. La comtesse, pardon. Vicomte, c'était celui-là d'avant. Le vicomte. Là, la comtesse, je pense que c'est la dernière et on aura fini le DLC des vampires, je crois. Hein. Pas sûr. Oh merde. J'espère que Kid a un effet. Qu'est-ce qu'elle. Pourquoi elle fait ça, elle? Ah, désir fou d'alcool, ok. Ah, tout ce qui est liquide, elle le boit, quoi. Et ça m'embête. A decisive pummeling. Bien. Joli.
Ah, cette attaque est... Elle est intéressante, hein. Elle est très intéressante. Ah, va te faire mettre. On peut pas les stopper de bouger, ces cons là. Ils sont tellement rapides. Qu'est-ce qu'ils sont relous. Qu'est-ce qu'ils sont relous. C'est un truc de fou. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Très bien. Oh là là. Sans déconner, quoi. Ah, oh, c'est frustrant ce jeu, c'est ouf, quoi. Merde. Ça. Extrêmement frustrant quand même. Ah! Alors, porte verrouillée, c'est la clé jaune. Ok. Let's go. Ah, bon bah y'a rien. Oula, c'est encore une autre partie quoi, faut voir un peu. J'imagine que là c'est pareil, genre ça ferait le même dessin. Parce que vu que c'est tout symétrique, je pense que là c'est exactement la même chose. Donc là, les autres parties de la cour, en fait ça allait de gauche à droite la plupart du temps et ça montait et descendait. J'ai l'impression que elle est un peu plus simple. Elle est peut-être plus petite aussi, j'espère. On verra. On peut passer en plein milieu. J'imagine que ça serait le chemin le plus court pour elle. Pour aller au boss. Will find no clemency in this place. Évidemment. Évidemment, x4. Incroyable. Après, deux bandits qui font que ça, ça peut être intéressant pour... Oh mon dieu. Pour la première ligne, en fait, la première ligne... Oh la vache, la première ligne, elle se fait défoncer, en fait. Yeah, puissance. Frapper fort et sans pitié. Qu'est-ce qu'il a eu, lui? Oh là là... Ouais, bon... Ça, ouais, mais il a perdu tellement de dégâts, quoi... Oh là là... Sans déco... Ah, de pas avoir de boost d'esquive, honnêtement, c'est une catastrophe, hein. Ah, c'est... Ouais, non, j'avoue que là, oh la vache. J'ai envie de dire que ça se passait mieux en esquive avec les antiquaires ou pas? Parce que là, on a fait quoi? On a fait deux combats, trois? C'est tout? Thank you.
gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Après les autres, ils peuvent se soigner. Après, l'équipe est bonne. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Après, l'équipe est bonne. Hein. C'est pas nul, mais pour les, ouais, pour les combats longs comme ça, c'est pas la meilleure chose. Putain, c'est quoi leur vitesse, quoi? Sans déconner, lui il est censé avoir vitesse, je sais pas combien. Non, j'ai rien dit, c'est pas lui. j'ai rien dit. Oh, regardez-moi les dégâts, quoi. Ils ont été tellement baissés, c'est une horreur. J'aurais pas dû le stun. Putain, mais je suis con, en plus ils ont 190%. J'aurais dû lui faire des dégâts, sinon il serait mort. Ah, j'ai été con là. Alors, toi t'as 3, 5. Non, mais lui il va jouer en premier normalement. On va faire ça. Le maître chien, il joue quand? Demain? Genre, il a 3 de vitesse. Lui, il a 8. C'est quoi ces rolls de merde que j'ai? Ah putain, j'ai pas enlevé le poison. L'infection. Incroyable. Par contre, il y a des bons dégâts avec la vertu là, plus 25%. As victories mount, so too will resistance. Je dis pas non pour un peu plus d'argent. Alors, on doit être contenu un butin. Ça m'embête un peu à chaque fois les biscuits, mais ils sont pas extrêmement utiles, honnêtement. Ils sont pas extrêmement efficaces non plus. C'est genre quelques tours, vous avez 25% de dégâts, je crois. Ouh, joli repérage. Joli repérage. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Je sais jamais quoi prendre, c'est ouf. Je l'apprendrai jamais, ça, par contre. Ça, c'est une chose que j'apprendrai jamais. Genre sur ce que je dois prendre. Faudrait que je le note sur un papier à chaque fois. Mais non, c'est pas quelque chose que je vais me souvenir. Waouh, un super repérage encore. Bien. Ah, le chien il aide, hein. Il aide pour le repérage. Qu'est-ce que c'est grand?
Ah, c'est ouf. Il y a... D'accord. Ça me fait un peu peur. Oh, non. Oh mon dieu. Ah bon, on va jouer demain, quoi. Il est tout en rouge, lui, maintenant. C'est ouf. Ils passent tous en premier, c'est une horreur. Well struck. Oh là là. Ce qui est marrant, c'est que lui, il était vachement utile au début de notre run, là. Maintenant, il est devenu complètement inutile. Il a eu la maladie, là. Ça lui a baissé les dégâts et la précision de fou. Il est devenu inutile. Il fait plus de dégâts. Il fait plus rien. Tellement un mini-lay, ouais. Oh putain, ça tue. Oh la vache, dégâts à 15% pendant 4 tours. Ça tue, puissance. The ground quakes. Ah, lui, il est devenu complètement inutile, c'est trop bien. On va faire un peu de régène par-ci par-là. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Non, mon dieu. Maintenant que j'ai joué un peu j'ai fait des runs dans la nuit et tout ça, que je suis un peu plus à l'aise sur certaines choses, il faudrait que je fasse un run avec Vertu, voir comment ça fonctionne, voir si on peut faire un truc potable. Je crois que le bandit, les objets de la cour, ça donne vertu plus 45%, un truc comme ça. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Ça peut être intéressant. Oh, l'autre, elle va boire. Hein. Soif. Tiens, c'est... What? C'est marrant, il a soif. Mais on l'a fait boire avec la fontaine. Du coup, on peut pas lui donner de sang. Ah, ça y est. C'est marrant, ça. Ça serait comme compter comme la nourriture, en fait, je crois. Allez... Voilà, comme ça, il va pouvoir faire peu, là. Enfin, même si ses dégâts sont tout pourris, maintenant, mais bon. Ouais, ouais, non, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment nul. Their cursed champion falls.
These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Oh non. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Très bien. Non, personne ne touche. Merci. On va faire déstresser lui, comme ça peut-être qu'on peut le réutiliser juste après. Enfin, quoi que non, je vais devoir... Oh, le piège, j'avais pas fait attention. De toute façon, je vais devoir refarmer des invites. Donc c'est pas... Donc c'est pas grave, peu importe. Peu importe, du coup. Après, il y a une équipe qui m'intéresse. Ça serait double lancier et deux antiquaires. Je sais pas si... Ouais, je sais pas. Masterfully executed. Ça pourrait être intéressant. Genre les lanciers qui spamment la lance. La lance et ils esquivent et tout le monde esquive. En théorie, ils ont une bonne esquive, je crois. Quand même bien les dots, hein. Ça, je me lasserai jamais de voir les dots, en fait. Je crois que je vais virer les pelles, là. J'en ai trop, elles servent à rien, en fait. Je sais pas où on est parti, mais là, on est parti. On est super loin de la branche principale, là. Non, touche pas. J'ai un peu peur de tomber sur des boss aussi aléatoires là. Enfin, je pense pas que c'est aléatoire, mais genre le crocodile, là, l'alpha, je sais pas quoi, prédateur alpha. Je sais plus trop. Yes. Precision and power. Très bien, toi t'es mort. Bien joué.
Tu me fatigues. Oh là là. Bon, on va partir. The shadows whisper of conspiracy. Allez, on se casse. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? On se casse. Ouh, c'est long. Oh. Ah! Ça donne envie la pièce secrète, parce que c'est peut-être quelqu'un en fait à sauver. Allez, vas-y, on va aller à la pièce secrète. J'ai pas envie qu'elle ait une crise cardiaque non plus. Beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Ça va être chaud. Stun, stun, yes. Évidemment. Jamais tu joues, toi. Bon, c'est elle qui va se prendre la balle. Oi, oi, oi. Non, non, ça va. Bon, bah, c'est lui qui va se prendre la balle. Oh, non. Arrêtez de tous louper là comme des idiots sans déconner quoi, c'est fou ça. Non mais Ouh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, regardez-moi ça. 100% ratage. Je vais être dans la mer, je vais même pas pouvoir aller à la salle secrète, hein, sans déconner. Si ça continue. S'il y a un combat dans la salle Curio, je sens qu'on va pas bien la finir là. Ok, très bien. Là, il va y avoir des deux morts. Et merde. Soothed. Sedated. This expedition at least promises success. Oui, enfin, le succès, hein. Il est vite vu, hein. Il est vite vu. Comme ça. Alors, toi, tu saignes.
Allez, pas de combat, pas de combat. S'il te plaît, pas de combat. J'aurais dû le mettre sur le flagellant. Yes, pas de combat. Très bien. On va dans la salle et on se casse. Non, on s'en fout. Fais voir. La salle, elle est où ? Yes ! J'ai une dette envers vous, merci beaucoup. Tchouf ! Allez, vas-y. Tchouf ! Voilà. You cannot learn a thing. Bon, niveau argent, c'est pas ça. Hein. You know. 7700. Bon, on a eu 3 saphirs, c'est quand même pas mal. Par contre, on a eu pas mal de trucs. Là, ça, c'est bien ça. Alors. Ouais, on s'en fout. Ah, luminosité. Elle a eu un truc pas mal là. Luminosité, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Windows and doors will be bolted. Tonight, something haunts the dark. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc pas net dans les ombres. Ah oui, c'est les ombres qui attaquent les gens. Ok, moins efficace, ça marche. Alors, oui, j'avais supprimé les trucs, donc pectare mouillé pour critique, moins 5% s'il est bien inférieur à 50%. Donc pour un flagellant, c'est super chiant parce que ils sont souvent très bas en vie. Lui, il avait des dégâts en moins en mêlée. Elle, elle a quoi ? Oui, je lui avais enlevé ça, mais surtout, je lui avais mis sur ses gardes. Ok, ok, ça marche. Alors, il y a toi. Il faut absolument luminosité, vitesse et esquive. Ça, c'est magnifique. Et on va t'enlever... J'ai envie de dire, on va t'enlever ça. Très bien. Toi, toi t'as rien. PV max moins 5% si. Et bah si. Donc c'est bien parce que tous les deux vous êtes vampires. Mollesse. Et après le reste. Pas la peine. Très bien. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, toi. Ah mince. Ouais, moyen, ouais. Ouais, mais t'es vraiment tellement inutile avec ça. PV max 20, précision des... Ouais, pas grave. On a du sang. De toute façon, en fait, maintenant, c'est pas trop grave si quelqu'un se fait infecter. Bon, après, c'est chiant à maintenir, hein, honnêtement. Mais vu que depuis que j'ai ça, là... producteur de sang, honnêtement c'est pas trop grave, c'est que j'en ai même beaucoup en fait des vampires. De toute façon, une fois qu'on aura tué la méchante, la grande méchante, je pense qu'on sera assez tranquille pour ça, tout le monde va être soigné en théorie. Tout le monde devrait être soigné. Ah oui, la personne qu'on a sauvée, mais je crois que ça le sert un peu à rien en fait, non ? Alors, antiquaire championne. Une antiquaire championne. Je crois qu'on a déjà trop d'antiquaires en fait. On a déjà 4. Et elles sont toutes des choses intéressantes. J'ai rien dit. Elles. Mais bon, elles sont toutes augmentées au max. Arrêtez de parler là, les gens, s'il vous plaît. On entend le bruit là. Fout, fout, tout le temps là. Ouais, non, on a 5 antiquaires déjà qui sont au max, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Je suis en train de me demander, je voudrais bien un deuxième chien. Et on le met en... Si on veut faire cette attaque, le mieux je crois que ça serait en 3 et 4.
Et il spam en fait cette attaque là. C'est pas mal, hein. C'est intéressant. Ça fait pas mal de dégâts. Je trouve. Enfin, quoique, c'est pas énorme en fait en dégâts quand même. Mais bon, le saignement 3 sur tout le monde, c'est pas nul. Hein. C'est pas nul. Bon, du coup, je sais pas combien de temps je fais mes... Je me rappelle plus combien de temps je faisais mes épisodes. C'est 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Je crois que c'était 2 heures. Enfin, ça oscillait entre 1 heure et 2 heures. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait 2 épisodes de cours. Enfin, on a fait 2 runs de cours. Ah oui. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que j'ai ramené des quelques trucs, là. Ah, il faudrait que j'essaye de farmer quelques petites choses, là, genre la pilleur de tombe, tout ça. On aurait critique, change de repérage, les vestales, on aurait résistance à étourdissement, compétence de soins. Mais bon, enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Ouais, c'est quand même beaucoup d'objets. Je vais essayer d'augmenter les niveaux 5, là. Parce qu'il y a quelques petits trucs que je voudrais faire. Elle, c'est, je crois que c'est la personne qu'on avait... qu'on avait sauvé, c'est pour ça qu'on l'a, mais on peut peut-être la virer à la limite. Mais une chose que je veux augmenter, c'est les abominations. On en a 2. Par exemple, elle a luminosité, ça c'est super bien, vitesse et esquive, ça c'est nickel. Ouais, ça c'est vraiment vraiment bien. En plus, on a un peu plus d'argent que d'habitude là depuis qu'on a la banque. Pourquoi je veux ça? C'est pour l'infection en fait. Ça me paraît vachement intéressant. C'est sur 2 cibles au centre en plus. C'est assez spécial, j'en ai déjà parlé. Et il faut que je fasse des équipes. Arrête, cassez-vous là les trucs. Il faut que je fasse des équipes qui tournent autour de l'infection et des tests. C'est au niveau 5 là? Ouais. Parce que c'est 5 points d'infection. Ça me paraît vachement intéressant. Sympa. Est-ce qu'on a des trucs, des objets pour... Non, on n'a pas d'objet de la cour. Ouais, après, ils n'ont pas de choses très très intéressantes. Mais par exemple, vous pourrez leur mettre ça, change d'infilé de l'infection en plus. Ça peut être intéressant. Parce que là, on n'a pas besoin... En fait, on peut les... Ils ont combien? C'est 28 d'esquive de base. Ouais, non, ils sont vachement... Non, honnêtement, je pense qu'ils peuvent être très intéressants. C'est une attaque distance. On peut leur rajouter du critique. Non, non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vachement, en fait. Surtout qu'ils peuvent se soigner. Ils se soignent le stress aussi. Et après, ils peuvent faire des AOE. Genre, là, les deux AOE. Ouais, ouais, non. Il faut que je fasse des équipes d'abomination, là. Et je voudrais mettre ça peut-être à la limite avec du... Enfin, on peut rajouter du saignement, honnêtement. Mais à la limite, ça serait bien avec avec un docteur. Docteur et abomination mélangée. Ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, on va s'arrêter là. Après, les docteurs ne... Ouais, ils ont une grande infection. Il n'y a que celle-là en fait qui pourrait toucher le niveau 2. C'est celui où on va baisser la résistance à l'infection. Faudrait voir. Faudrait voir. Puis ils ont une bonne esquive. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont 28 de base. Et on n'a pas besoin de les setup avec de la précision et tout ça. Parce qu'ils ont une bonne précision, les abominations. Enfin, je crois. Elles sont les abominations, là. Oui, oui, non, la précision, elle est très bonne. Hein. 115. Après, c'est du 105, 100. Ça, c'est un peu plus... C'est un peu moins précis, par contre. Mais même le... Ouais, même le stun, en fait, est très bon. 130%, c'est un stun très faible par contre. Mais on peut les mettre en 3 et
en 2 et 3, ils peuvent stunner 1, 2, 3. Ça, c'est vachement intéressant. Non, non, ces deux trucs sont vachement puissants, en fait. Ces deux habilités sont extrêmement puissantes. Donc, il faut absolument que je les augmente. Ouais, ça m'intéresse. Ce sera tout. On va faire... j'essaierai de farmer quelques invitations, genre 2 ou 3. Et je voudrais tester les abominations la prochaine fois. Voir un peu ce que ça peut nous donner. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.